voilà, j'ai 22 ans et j'ai inventé le concept de beer painting, peindre avec le goulot et le culot d'une bière. Pour faire des fonds, des fois j'utilise la bouteille comme un rouleau à pâtisserie et je fais des fonds avec le côté de la bouteille. Et après, je reviens dessus la peinture noire pour faire les contrastes, les dégradés. Je peux travailler au culot aussi de la bouteille pour faire des plus gros ronds. C'est assez varié. Et tu fais un dessin préliminaire avant ou pas du tout ? Un petit tracé préliminaire. Depuis l'été dernier, j'ai peut-être utilisé une cinquantaine de bouteilles. Une bouteille pour 2 heures, c'est même pas mon ratio. Donc c'est pas une excuse pour boire de la bière ? Non. Est-ce que tu bois plus de bière depuis que tu fais ça ? Non. J'ai toujours bu beaucoup de bière depuis que je suis très jeune. Mais ça t'a donné de l'inspiration créative en tout cas. C'est ça, exactement. Nart, ça veut dire Nicolas, Alexandre A, puisqu'on est un duo d'artistes peintres scénographes basés sur Paris. Là, c'est notre première expo à Nantes pour une semaine. Pendant la création d'un décor, on a vu des bières, nos bières qu'on avait bu, les bières vides par terre, un pot de peinture qui traînait, on a essayé, on a testé. Et le lendemain, j'ai commencé à faire des séries de peintures, vraiment beaucoup de peintures. Pour l'exposition, il y en a une centaine à peu près. C'est ce que j'écoute principalement, l'inspiration du moment, les albums que j'achète. Enfin, il n'y a pas que du hip-hop, il y a beaucoup de dessins animés que j'aime aussi, du film, du super-héros que j'apprécie depuis tout petit, et voilà. Je pousse le délire jusqu'au bout. J'ai vu sur Facebook que vous avez fait un concours. C'est une jeune Nantaise qui a gagné le portrait de Serge Gainsbourg cette semaine. Donc, je vais le réaliser cette semaine et je vous donnerai en fin de semaine quand elle passera. Il y en aura tout le temps, des concours, des sondages pour gagner des portraits, et, tout le temps il y aura ça. La expo à Nantes aujourd'hui, pendant combien de temps ? Pendant une semaine jusqu'à dimanche. À l'atelier donc ? À l'atelier expo, oui. On a eu des acheteurs ce soir, on a déjà des acheteurs régulièrement. Mais après, pas de collectionneurs, vraiment des particuliers. C'est le départ des galeries, la tournée un peu partout, donc on va espérer que ça marche bien. Ok, bah merci beaucoup.